pour aller chercher mystère ou pas mystère. Beaucoup vont mourir. Il y aura d'autres qui vont mourir dedans. Mais l'apôtre nous a donné une petite brèche dans 1 Corinthiens chapitre 15 que ce n'est pas tout le monde qui va mourir dedans. Par exemple, Jésus m'a déjà dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, ceux que nous, on va voir qui sont morts avec les âmes à la main, il veut dire que avec la doctrine, la foi, eux, le monde va dire que c'est comme les deux témoins. Quand on les a tués, les gens, sur la terre, ils ont fêté. Pour eux, sur la terre, c'est eux qui ont vaincu. Oui ou non? Ils ont commencé à se donner les cadeaux. Quand les deux témoins sont venus, on les a tués. Ils se disent que ah, c'est eux qui ont vaincu. Mais pendant ce temps, en réalité, eux sont venus. C'est comme ça qu'ils devaient bien accomplir leur mission. Et c'est eux qui ont vaincu. C'est pour cela, après, ils seront recevoir du que montez. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, regardez. Lis la suite. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Oui. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Donc, voilà ce qu'il va laisser comme promesse à Daniel. Dieu va laisser par le truchement de l'ange à Daniel comme promesse. Amen. Voilà. Il dit que toi, ce n'est pas toi qui toi, tu vas voir ça. Et toi, seulement qu'on appelle ça, mais tu vas te reposer le jour de la résurrection. Voilà, tu vas ressusciter. Amen. Donc, voilà un peu les choses de manière pure, du comment ça s'est passé. Maintenant, allons-y dans notre passage de Apocalypse pour terminer, puisqu'on n'a pas encore terminé. Dans le chapitre 13 là. Oui, j'habite 13. Et verset 7. Après j'habite 13 ans. Verset 7. Oui. Et lui fut donné de faire la guerre aux saints. Voilà. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Et de les vaincre. Et de les vaincre. Et lui fut donné autorité sur toute tribu. Voilà. Tout il lui fut peuple. Donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple. Toute langue et toute nation. Et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Voilà. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Voilà. Qui a été immolé. Voilà. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau. Oui. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un. Quand le Seigneur vous a dit que quand le Seigneur parle comme ça, il a dit que la chose est sûre. Là, c'est une cacheté. Voilà, c'est cacheté. Oui, c'est marqué. C'est une parole certaine. Oui. Si quelqu'un mène en captivité, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tué par l'épée, si quelqu'un tue par l'épée, oui. Il faut qu'il soit tué par l'épée. Oui. C'est ici la persévérance. Et la foi des saints. C'est la même chose que Jésus maintenant va dire dans Matthieu chapitre 24. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est-à-dire que c'est dans le temps où on ne doit pas réellement abandonner. Amen. C'est dans le temps où on ne doit pas abdiquer, où on ne doit pas apostasier. Parce que ça sera un temps de grande révolte, de grande apostasie, de grand rejet de Dieu. À cause de ce. Le fait que tu as pris la marque de la bête, tu as rejeté Dieu. Amen. Le fait que tu as pris la marque de la bête, tu as prêté allégeance réellement au diable, c'est définitif, c'est terminé, une damnation éternelle pour toi. Amen. Maintenant, ceux qui ont été enseignés vont savoir, ils vont comprendre que ça, là, si tu as fait, ce n'est pas bon. C'est le temps où vont, c'est-à-dire que où, c'est, si tu, regardez, quand il dit que, il va dire aux chrétiennes de cette église-là, que parce que tu n'as pas renié mon nom, parce que tu as confessé mon Dieu, tu n'as pas renié. En fait, on sera dans une période où soit tu confesses le Seigneur, ou tu renies le Seigneur. Comme dans la même période où les disciples étaient au départ. C'est la période là qui arrive. Amen. Maintenant, nous, on nous dit que c'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est clair. Il n'y a pas autre interprétation de ça. Oui, continue. Puis je vis monter de la terre une autre bête
qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. C'est dans la, en fait, c'est la même période, en fait. Oui, vas-y. Et qui parlait comme un dragon. Oui. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en donc, sa présence. Ici, on dit en sa présence, ça dit que pendant cette période de grande révolte, il y aura qu'on appelle ça même, une religion, en fait. Si je peux dire ça comme ça. Il y aura une religion qui sera la tête mondiale. C'est-à-dire qui sera reconnue. Et il y aura réellement celui qu'on appelle le faux prophète. Qui c'est celui-là qui va parler. Puisqu'on dit que elle était quoi? La bête était quoi? Elle a une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau. Donc, elle ressemble à quoi? Un agneau. Donc, ça veut dire que c'est une forme religieuse. Une forme religieuse pour pouvoir séduire les gens. Parce que si je dis que je suis le diable, tout le monde sait que c'est le diable. Quoi qu'on dit, le diable n'agit pas comme ça. Amen. Amen. Regardez, et il y a toujours une religion dans le monde qui se comporte comme ça. Et vous allez voir que c'est terrible. Le diable a deux manières de pouvoir se agir. C'est deux grandes manières de pouvoir agir. La première, c'est la séduction. Et la deuxième, c'est la persécution. Amen. Mm-hmm. Première, séduction. Deuxième, persécution. Il commence par séduire d'abord. Amen. Mm-hmm. Et quand il séduit. Dès qu'il te laisse séduire, il n'a pas besoin de te persécuter puisque tu es déjà à lui. Amen. Dès que tu te laisses séduire, il n'a pas besoin de te persécuter puisque tu es déjà à lui. Mais dès que tu séduis, tu résistes, sa dernière cartouche, il va chercher à tuer ton corps, comme Jésus a dit. Et c'est là qu'il va prendre maintenant son deuxième arme pour prendre celui. Maintenant, son élément de séduction, c'est là qu'on entend parler de cette bête-là. L'élément de séduction, il va prendre l'apparence d'un agneau, parce qu'il va venir avec le corps d'un agneau, tout. Quand tu vas voir, tu vas dire que ça ressemble. Voilà pourquoi je dis, il s'élèvera le faux pour faire de faux prises. Les gens vont venir dans l'apparence. Pour qu'ils puissent se conforter réellement. Non, vous savez, la marque de la bête, ça ce n'est que chose, ce n'est rien. Les gens, là, c'est pas les trucs. La marque de la bête, non, ça c'est pas la marque de la bête qui est là. Tout ça, il y aura les gens qui vont venir pour ça. Non, on peut prêter allégeance, il n'y a rien. Tant, ils vont commencer à parler, mais avec d'abord. C'est-à-dire que ce sera une forme de religion, mais qui sera acceptée. Et qui va mener les hommes à aller adorer la bête. Vous comprenez? Il va mener les hommes à aller adorer la bête. Et puis, ce sera une chose facile à faire, parce que déjà, ce mystère-là déjà agit déjà. Si aujourd'hui, les gens, l'évangile même, les gens ont falsifié l'évangile, au point. Quand tu n'adores pas le voix de Jésus, tu adores qui? Donc, déjà ça ce n'est que les prémices de la chose. Et quand ça va venir, les gens vont adorer directement Satan en prenant la main de la bête. Oui? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Vous avez vu, non? Oui. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Oui. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Oui. À la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre. Vous avez compris, non? Elle a utilisé quel verbe? Séduit. Voilà. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Stop. 2 Thessaloniciens chapitre 2, lisez les versets 8, 9, versets 8, 9 jusqu'à 10 là-bas. Regardez cette dernière partie, tu as vu quoi en Apocalypse là? C'est chapitre 14, et verset 14. Verset 14, lis pour que tes frères entendent. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Fadi, maintenant, dès Thessaloniciens chapitre 2, tu vas voir ce que l'apôtre dit par rapport à cette période-là, qui est la même chose que vous allez, tu viens de lire ici. Lis le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. Non, lis le verset 9.
verset 9. L'apparition de cet impie, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'apôtre nous révèle que ce sera des prodiges mensongers parce que ça vient du diable. Du diable. Parce que le pouvoir était donné par le diable. Donc c'est la même chose que tu as dit dans l'Apocalypse là. Voilà ça qui est ici. Oui. J'ai pas encore fini. Oui. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est clair. Oui, regardez. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils seront condamnés parce qu'ils auront accepté la marque de la bête. Voyez, c'est une marque qui est marquée dessus. C'est marqué pour la damnation, la condamnation éternelle. C'est clair. C'est la même chose que l'apôtre Paul a dit ici. Tu vois, non? Maintenant, étant donné qu'on reste dans cette période-là, et on reste dans cette pensée-là, toujours continue dans des situations que tu es en train de lire. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons continuellement grâce à Dieu. Oui. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Oui. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Oui. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'Esprit. Quelqu'un a une autre version? Oui, vas-y. Mais nous devons sans cesse remercier Dieu à notre sujet. Oui. Vous que le Seigneur aime. Oui. En effet. Dieu vous a choisi. Oui. Pour que vous soyez les premiers à être sauvés. Par l'action de l'Esprit. Qui vous a purifié. Et par le moyen de votre foi en la vérité. Oui, la sœur Yasmin. Frères et sœurs, très aimés du Seigneur. Nous devons remercier Dieu à votre sujet en toute occasion. Oui. En effet. Dieu vous a choisi depuis le début pour vous sauver. Et vous êtes sauvés. Parce que le Saint-Esprit rend votre vie sainte. Et parce que vous croyez à la vérité. Donc, le frère, tu continues maintenant. Donc, ici, il est en train de leur montrer qu'en réalité, ces événements de détresse qui arrivent et qui vont réellement séduire tout le monde entier. Ceux qui ont reçu l'évangile, les élus de Dieu qui ont reçu l'évangile, qui gardent l'enseignement du Seigneur Jésus, c'est normal que réellement, eux, ils ne seront pas perdus aussi, puisque eux, en fait, Dieu les a donné l'évangile pour pouvoir les sauver. Vous comprenez cela maintenant? Oui, continue maintenant. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Amen. Donc, voilà que quand il finit de donner toutes ces paroles-là, il leur donne des encouragements. Et il émet un souhait par rapport à l'Église. Il dit qu'en réalité, voilà que Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions réellement, nous perdre à la fin. Mais Dieu nous a sauvés pour que nous puissions régner avec le Christ. Amen. Parce que nous avons aimé bien sûr la vérité. Mais ceux qui n'ont pas aimé la vérité, c'est ceux-là qui vont recevoir réellement un esprit d'égarement.
pour aller à la perdition. Vous comprenez maintenant, non? Maintenant, terminons dans notre Apocalypse, là, toujours. Il ne reste que 10 minutes comme ça. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête. Vous avez compris maintenant que ici, c'est le même texte dans l'Ancien chapitre 2, verset 9 là, à 10 là. Oui. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Oui. Et il lui fut donné d'aimer, d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Oui. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Oui. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Oui. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nom est 666. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Oui. Il faut que je vous dise tout en même temps. Ne pas que... Apocalypse chapitre 17. Oui. Verset 1. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens. Il m'adresse la parole en disant, viens. Oui. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Il dit, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Oui. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc ici, vous commencez à comprendre pourquoi je disais que la femme dans Apocalypse chapitre 12 n'est pas une femme, non, n'est pas une femme, comme on appelle ça, mais normale. Ici, voilà une autre femme en train de parler d'elle, qui n'est pas là aussi, réellement, une femme humaine, comme je le dis. Amen. Amen. Mais quelle est cette femme? Voilà. Quelle est cette femme? Qui est cette femme? Parce que, quand vous avez lu 2 Jean, quand l'ancien s'est présenté, il a donné la lettre à qui? Kyria. Qui était la dame, qui était une femme. Amen. Pour vous montrer qu'en réalité, l'église, qu'on appelle ça même, l'église est symbolisée souvent dans les visions, les prophéties, comme étant une femme. Amen. 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 Mais puisque si l'église est sainte, donc c'est-à-dire que ce sera une femme qui est sainte. Amen. C'est pas ça? Amen. Si cette église est souillée, ça sera quoi? Une femme souillée ou bien une femme prostituée. Voilà. C'est ce qu'on dit ici. Répète encore le verset. C'est elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Voilà, la femme là s'est assise sur la bête pour chevaucher la bête. Vous comprenez? C'est dans la vision qu'il voit que la femme est assise, mais nous ne voyons pas dans notre tête une femme humaine. C'est ça. Mais voyons dans notre tête automatiquement un système religieux. Un système religieux. Mais ce n'est pas une femme en tant que telle, mais c'est un système religieux, comme je disais tout à l'heure. Là. C'est ce que j'étais en train de dire là. Voilà ce qu'ils sont en train d'expliquer ça dans le chapitre 17. Du système religieux qu'il dit qu'il va s'élever. Et pour qu'il y ait un système religieux, il faut qu'il y ait quelqu'un, un guide religieux. Parce que nous voyons que quand l'Antichrist sera jeté dans le feu, l'Antichrist sera jeté avec le faux prophète. On vous a parlé réellement d'une autre bête qui sort de la terre, qui est semblable à un agneau à cause de ses cornes, mais en réalité sa voix, sa parole, c'est une parole de diable, du dragon.
Vous comprenez, non? Donc, c'est le système religieux là, en fait, qui est là. Mais le système religieux sera associé avec l'autre bête, qui est le système gouvernemental, militaire, économique de l'antichrist qui sera là, qui sera imposé par la puissance de Satan à la terre. Amen. Mais il y aura une autre puissance religieuse. C'est une autre puissance religieuse qu'on voit dans Apocalypse chapitre 13. Une autre, on dit, puis j'ai vu une autre bête sortie de la terre. Vous avez vu, non? Dans Apocalypse, il y avait deux types de bêtes. La première et la deuxième bête. La première bête, là, c'est une puissance réellement gouvernementale, un système gouvernemental mondial où il y aura un roi qui est là. Amen, non? Maintenant, la deuxième bête qui va travailler avec elle dans le côté religieux, là, c'est ça qui est la deuxième bête qui... Puisqu'on dit qu'elle était comme un lion, c'est-à-dire que c'est un symbole religieux. Amen, non? Mais et on dit que c'est un mec qui va parler. Quoi, non? Mais seulement que la parole, là, c'est la parole du diable. C'est une parole mensongère. Vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, c'est celle-là qui sont représentées sur une autre forme ici. En femme, qui monte sur la bête pour la chevaucher, afin que elle, ce qu'elle veut là. La bête là va faire ça. Parce que je vous prends un exemple. Si le côté religieux là se met automatiquement à tuer là, ça sera flagrant. C'est les gens qui sont militaires qui vont prendre les gens parmi les mains, comme c'est passé au temps aussi de quoi on appelle ça, mais les disciples qui nous ont précédés. Il y a tout, même depuis le temps même du Seigneur Jésus, c'était les gens religieux là, le Sanhédrin là, qui sont mis à part, qui vont leur dessin là. Ils ont pris maintenant qui? Ils ont pris la puissance militaire qui était là. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire, qu'ils vont s'associer avec les impies pour aller tuer le Christ. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, eux, leur dessein, ils viennent monter sur la bête pour que eux puissent, la bête va aller accomplir leur dessein. Donc, la femme, c'est le système religieux qui est là, qui va réellement, comment on appelle ça, qui va vraiment s'associer au système gouvernemental qu'on appelait la bête avec l'antichrist pour faire réellement accomplir leur dessein. Voilà. Maintenant, continue. Il me transporta en esprit dans un désert où j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue d'une peau et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Pourquoi elle porte ça? Pour séduire. C'est la séduction dont les anciens parlent, et Apocalypse aussi parle. Après chapitre 13 parle. De la séduction qu'elle va venir faire. C'est, elle porte tous ces joyaux-là pour pouvoir séduire. Elle met tous ces trucs-là. Donc, c'est en fait, c'est parce que la vision là, ce n'est pas un domaine naturel, c'est un domaine surnaturel. Dieu peut te montrer quand vous faites les songes, vous voyez les images, mais l'image veut dire quelque chose. Hein, vous comprenez? Donc quand il voit la femme avec ses éléments de séduction sur elle comme ça, qui est assise sur la bête, en fait c'est pour vous montrer que c'est son domaine, c'est une séductrice en fait. Son message, c'est le message du mensonge. C'est le miracle des mensonges. Mais tout ça, son dessin là, c'est comment elle va utiliser la bête sur laquelle elle monte là pour aller accomplir ses desseins de tuer les saints de Dieu. Amen, non? Oui? Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Regardez, elle tient dans sa main une coupe d'or. Tu as pensé qu'il y a 20 dedans, oui? Rempli d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Rempli d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Si son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande. La grande, oui. La mère des impudiques. On dit la mère des impudiques. Et des abominations de la terre. Oui. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Stop. Et je vis cette femme ivre du sang des saints. Voilà. Donc c'est le sang des saints. C'est ça? C'est sa boisson. Ça veut dire que c'est le saint. Son problème là, c'est comme je vous ai dit, monter sur la bête. Pour que la bête là va aller faire son travail. Parce que ce n'est pas l'église qui met les saints en prison. C'est les militaires qui mettent les saints en prison. Mais les militaires là vraiment seront là pour accomplir les desseins de la femme. Est-ce que vous comprenez même? C'est comme ça que ça va se passer dans la fin des temps.
Est-ce que vous suivez, vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, si on vous a dit non que ah, la deuxième bête, pour ceux qui avaient déjà entendu d'autres messages, on vous avait dit non, la deuxième bête qui sort de la terre, soit c'est les États-Unis ou bien, soit c'est l'Antique, c'est faux. Mettez ça encore à gauche. Amen. Voilà, ici on vous montre comment les choses se passent. Continue encore, oui. Et je vis cette femme Yves du sang des saints. Pourquoi du maintenant, sang... Yves du sang des saints. Prenez Apocalypse chapitre 6, verset 9. Et puis on revient encore. Yves du sang des saints. Ça veut dire que ça a commencé depuis longtemps, au temps de la détresse que l'apôtre Jean parlait, au temps de la tribulation. Moi qui n'ai pas avec vous la tribulation. Amen. Voilà, il y a eu le sang qui a été versé. Et vous allez voir encore que, comment on appelle ça? Dans Apocalypse chapitre 6, verset 9, on dit quoi? Apocalypse 6, 9. Suivez. Hein? Quand il ouvrit le cinquième sceau. Quand il ouvrit le cinquième sceau. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Voilà. Ce qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, allez, voici ici encore. Ce qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 2, l'église de Smyrne, tous ceux qui ont été persécutés, allez, voici ici. Oui. Et criait d'une voix forte. Criait d'une voix forte. En disant. En disant. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Maître saint et véritable. Maître saint et véritable. T'as-tu à juger? T'as-tu à juger? Et à tirer vengeance de notre sang? Et à tirer vengeance de notre sang? Sur les habitants de la terre. Sur les habitants de la terre. Ouais, non. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça veut dire que t'es dans le temps de la détresse. Ça veut dire que les saints seront mis à mort. C'est ce qu'on te demande. Et Jésus dit quoi? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. De se tenir en repos quelque temps encore. Jusqu'à ce que fût complet. Jusqu'à ce que fût complet. Le nombre de leurs compagnons de service. Le nombre de leurs compagnons de service. Et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux, mes frères. Pourquoi vous voulez. Vous voulez dire. Les gens veulent. Non, on n'a qu'à arrêter ça. Il faut qu'on comprenne l'évangile simplement. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est pour montrer réellement comment on dit la femme là était ivre du sang des saints. C'est ça qu'on a vu ici. Amen. Amen. Retournons là-bas encore. Oui. Après chapitre 17. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Vous voyez, non? Du sang des témoins de Jésus, oui. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Pourquoi elle est étonnée? Parce que cette femme. Qui avait la parole de Jésus. Il a la justice. Elle se nourrissait de ça. Il faut parler, faut pas. Cette femme qui avait l'apparence de la piété. Oui. Avec pour nourriture le sang. Voilà. Elle se nourrissait du sang. Voilà. C'est-à-dire qu'elle avait l'apparence de la. C'est toi qui as l'apparence de la religion, mais c'est toi-même qui fais le mal. Aux chrétiens. Aux chrétiens. Oui, continue. Et là, il me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Pourquoi t'étonnes-tu? Je te donnerai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Je vais te donner le secret de la bête et de la femme qui la porte. Qui la porte. Qui la porte. C'est pas il y a les dit. Sept têtes. Stop. Je te donne le mystère de quoi? De quoi? De la femme. De la femme et de la bête qui la porte. Voilà. La bête là porte la femme. C'est comme si elle la femme la monte. C'est comme un cheval. Est-ce que c'est le cheval là qui conduit celui qui le monte? Ou bien, pardon. C'est le cheval qui conduit la personne qui est le cheval. Mais qui c'est pas, elle, c'est le cheval qui va où il va ou va. C'est le cheval qui donne la direction. Il dirige le cheval. C'est-à-dire que ce qui est dans le cœur de celui qui monte là, c'est ça que le cheval fait. Ouais. Vous comprenez maintenant, non? S'il veut partir à gauche, lui aussi il va à gauche. S'il veut s'arrêter, il s'arrête. La femme est assise sur la bête. Donc quand les gens vont voir, eux ils seront séduits, sont dans la séduction, mais ils ne savent pas que c'est la femme qui est en train d'accomplir ses services. C'est comme ça a été toujours comme ça. Même depuis le temps du Seigneur Jésus, ça a été toujours comme ça. Amen.
Oui. Et qui a les sept têtes et les dix cornes. Oui. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Mm-hmm. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Oui. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Oui. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Oui. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Donc la femme là où elle est, il y a sept montagnes là-bas. Donc, en tout cas, si tu es une femme, il faut t'arranger à ne pas être où il y a sept montagnes. Si tu es où il y a sept montagnes, l'église va savoir que c'est toi. Amen. Je répète encore. Si tu es une femme, c'est-à-dire un système religieux, faut t'arranger à être où il n'y a pas les sept montagnes. Mais si on t'a détecté, on a vu qu'il y a les sept montagnes, là où tu es, tu es en train de dire à l'église à qui tu es. La vraie église du Seigneur sait qui tu es. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire maintenant? Donc ça veut dire que, là il a dit que c'est ici l'intelligence. Si seulement vous avez vu qu'il y a un système religieux qui est un endroit où il y a sept montagnes, c'est que c'est elle, qui est la femme qui chevauche la bête pour accomplir ses desseins. Oui. Ce sont aussi sept rois. Stop. Oui. Cinq sont tombés. Oui. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Non, il faut répondre parce que c'est dit, c'est par rapport à ce qu'ils sont de répondre. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Mm-hmm. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Voilà. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme là est assise. Vous voyez, non? On n'a pas dit que la femme a ses sept montagnes. C'est sept têtes sur lesquelles. C'est sept montagnes sur lesquelles la femme là est assise. Voilà. Oui. Ce sont aussi sept rois. Voilà. Cinq sont tombés. Mm-hmm. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Oui. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Oui. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Oui. Et est elle du nombre des sept. Et quoi? Et elle est du nombre des sept. Oui. Et elle va à la perdition. Mm-hmm. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois. C'est les dix orteils de la statue de Daniel chapitre 2. Amen. Il y avait la statue, il y avait la statue là avait. Était comme un homme. L'homme a 10 orteils. C'est ça, non? Voilà. La statue était. Les 10 orteils, ça symbolisait 10 royaumes. C'est les 10 royaumes là qu'il est en train de voir ici encore. Je vous ai dit, c'est la même vision. Hein. Ça, c'est déjà clair dans notre esprit. C'est la même vision qu'il est en train de voir. Mais avec plus de détails ici. Oui? Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Qui n'ont pas encore reçu de royauté, de royaume. Mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Stop. Ils vont recevoir autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Avec la bête. C'est-à-dire qu'au moment où la bête va paraître, eux vont recevoir autorité avec une heure. Une heure, ne pas comprendre, confondre avec une heure qui est là. Amen. Après, ils vont vous dire c'est quoi les une heure qui sont là. Donc ici, par rapport à tout ce que nous venons de lire depuis Daniel là-bas, depuis le commencement, vous pouvez même déjà discerner ce que symbolise les une heure. Donc, ici, continue. Ils ont un même dessein. Ils ont un même dessein, oui. Et ils donnent leur puissance et leurs autorités à la bête. Et ils vont donner leur puissance et leur autorité à la bête. Pourquoi je vous ai dit, comment aujourd'hui là, est-ce qu'il y a un seul gouvernement mondial? Non. Amen. Non. Il y a plusieurs gouvernements, selon chacun a son dessein, chacun a ses mêmes choses. Mais il va arriver un moment où chacun va voir, ils vont se mettre ensemble. Amen. Et déjà, il y a toujours ces indices là depuis longtemps. Et chacun commence à voir ses langages de ce que réellement il faut qu'il y ait un seul gouvernement, il faut qu'il y ait un seul roi. Voilà, il faut qu'il y ait une seule religion pour qu'on arrive à dominer, à bien organiser le monde. Parce que tant qu'il n'y aura pas ça, voici, il n'y aura pas. Donc, chacun maintenant, ils sont en train de travailler par rapport à cela. Oui. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vainqueurs. Voilà. On dit, ils combattront contre
l'agneau et l'agneau les vaincra. Amen. Oui. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Et le roi des rois. Et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Une prochaine fois, je vais essayer de vous expliquer ce que sont les appelés, les élus et les fidèles. Parce que d'autres vont aller encore se blaguer ici. Que non, il y a les appelés à part. Il y a les fidèles à part. Et il y a les élus à part. Frères et sœurs. Merci. L'évangile est simple. Amen. Amen. L'évangile est simple. Quelqu'un n'a qu'à lire cette partie-là dans deux autres versions. Vous allez voir que, regardez, comme je vous ai dit, chaque fois, quand on ne comprend pas quelque chose, avant même que vous allez faire une profonde étude là-dessus, la première étude que vous devez commencer à faire, c'est de lire au moins deux ou trois versions là. Lis ici. Ceux que Dieu a appelés. Regardez, on dit ceux que Dieu a appelés. Bon, parmi nous tous ici, qui avons cru aujourd'hui, hein, qui n'a pas été appelé par Dieu? Hein? Qui n'a pas été appelé par Dieu? Tout le monde a été appelé par Dieu. Mm-hmm. Donc ceux que Dieu a appelés, c'est eux qu'on a appelé les appelés. Regardez ici. Oui. Et choisi. Stop. Élu que vous entendez là-bas. Mm-hmm. C'est ceux que Dieu a choisi. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi, je vous ai choisi. La question que je vous pose ici. Qui parmi nous ici là n'a pas été choisi? Personne. Tout le monde a été choisi. Ici, ce qu'il est en train de dire ici. Regardez, répète encore le verset. Ceux que Dieu a appelés et choisis. Voyons, on dit ceux que Dieu a appelés et. Regardez, c'est, on dit ceux que Dieu a appelés et. Choisis. Ça veut dire que les appelés, ce sont les choisis. Donc, ceux qui disent que les appelés, il n'y a plus à les choisir, puis les trucs là. Mettez ça encore à la poubelle. Vous comprenez? Voilà. Là-bas, chez toi, on dit quoi, la soeur? Vas-y. Les siens, ceux qu'il a appelés et aimés. Regardez, ouais, non. On dit les siens, ceux qu'il a appelés et aimés. C'est fini. C'est la même chose, le même groupe. Il n'y a pas un groupe qui a pas, puis il y a un groupe élu, il y a un groupe. L'évangile n'a jamais parlé de ça. Mais je vais lire dans le verset aussi. Oui. Il dit, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont des noms des appelés, des élus et des fidèles. Faut comprendre. Non? C'est la même chose. C'est la même chose que la sœur est en train de lire ici. Termine pour toi que tu disais. Oui. Toujours le même verset. Ceux que Dieu a appelés et choisis, c'est fidèles. Oui, c'est fini. En fait, il dit ceux que Dieu a appelés et choisis, c'est fidèles. Ça veut dire que c'est la même chose. Amen. Ce que je vais vous dire. Continue. Ça veut dire que fidèle, là, ça explique ce qu'il a appelé, qui sont choisis. Voilà. Il dit ce que Dieu a appelé et choisi, c'est fidèle. Quoi? Seront aussi vainqueurs avec lui. Ça veut dire tout ce qu'on dit que à celui qui vaincra, personne ne peut venir dire par la bouche que oui, c'est un élu tant qu'il n'a pas vaincu. Personne. Ne vous glorifiez pas, les gens se glorifient. Non, c'est un élu, c'est un prédestiné. On t'attend la victoire. Amen. Amen. Tu vas faire tes preuves. Voilà. Tu vas faire tes... Où vous pouvez voir cela? C'est dans 2 Pierre. Est-ce que vous avez 2 Pierre chapitre 1? 10 à 12. 2 Pierre chapitre 1, 10 à 12, vous allez voir. Tout se complète. Si quelqu'un veut donner son interprétation particulière, il va venir mettre les gens à bouche. Tout est là. 2 Pierre 1, 10 à 12. Oui. 2 Pierre 1, 10 à 12. C'est pourquoi, oui, frère, appliquez-vous d'autant plus à fermer. Stop. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. À affermir votre vocation. C'est quoi la vocation? L'appel. L'appel. C'est quoi on dit? Les appelés. Et votre élection. C'est quoi élection? C'est le choix. Le choix. C'est quoi dans votre version utile? Les appelés, les choisis, ceux qui lui ont été fidèles. Ils vont. Ouais, c'est la même chose. Donc, on dit que tu dois affermir quoi?
ton appel, ton appel et ton élection. Et ton élection. Oui, continue. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Vous ne brancherez jamais. C'est ainsi. C'est ainsi, de cette manière. En effet, oui, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Stop. Vous comprenez maintenant? Voilà, dans les jeux de mots, les gens vous mettent dedans. Non, là, c'est mort. C'est-à-dire que, élu, prédestiné, ils n'ont qu'à parler. Jésus nous attend, c'est au pied du lit qu'on voit le vrai maçon. Jésus nous attend à l'épreuve. C'est quoi Jacques, chapitre 1, verset 12 a dit? Heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Oui. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Voilà. Que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Amen. C'est ça. Donc, c'était pour nous montrer ici ce qu'on appelle les appelés, les élus et les fidèles. C'est la même chose. Parce que celui qui a été appelé, quand vous lisez Romains chapitre 8, c'est ce qui est dit. Donc, ceux qui ont été appelés, ils ont été appelés parce que, en fait, ils doivent vraiment, ils ont été appelés pour rester fidèles à Dieu. Ouais. Les fidèles, en fait, c'est ceux qui sont restés fidèles, c'est ce que ça veut dire. Amen. Alors que nous tous ici, nous sommes appelés pour rester fidèles au Seigneur. C'est la même chose. Donc, les appelés, les élus, les fidèles, je vous ai donné une prédication, quelqu'un qui n'a pas compris. Il ne faut pas vous fatiguer à aller là. Allez, je sais juste qu'il n'a pas compris. C'est, pas, c'est un faux frère. Hein. Il n'a pas compris ce qui est suivi. Passer réellement à autre chose. L'essentiel, le Seigneur nous a dit que ici, si tu dis que tu es élu, il faut vraiment affirmer cette élection. Voilà. Allons-y dans notre passage. On va continuer. Apocalypse 17. Verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit aussi. Et il me dit. Les eaux que tu as vues. Les eaux que tu as vues. Sur lesquelles la prostituée est assise. Donc, si je vais vous donner un exemple. Quand vous lisez les prophéties ou bien les paraboles ou bien les visions, laissez le Seigneur donner l'interprétation. Quand le Seigneur lui-même a donné l'interprétation, alors n'interprétez plus. Par exemple, ici, il dit les eaux que tu as vues là. Voilà ce que ça signifie. Donc, toi, tu vas venir faire mystère. Je vous dis que ce que c'est que les eaux là, ce que ça signifie. Ok, Jésus a déjà donné les eaux. Il suffit seulement à lui de l'autre là de lire ce que l'ange a dit par rapport à ce qu'il a montré à Jean. C'est pas une affaire des yeux. Tu dis au frère chrétien là, faut lire ce qu'il a dit là. Il dit les eaux là, c'est qui? Les eaux que tu as vu, oui. Sur lesquels la prostituée est assise, oui. Ce sont des peuples. Ce sont des peuples. Des peuples. Des foules. Des foules. Des nations. Des nations. Et des langues. Et des langues. Vous voyez? Oui. Les 10 cornes que tu as vues. Maintenant, les 10 cornes que tu as vues. Et la bête. Et la bête. Haïront la prostituée. Quoi? Haïront la prostituée. Oui. La dépouilleront, oui, et la mettront à nu. Vous comprenez cette partie? Bon, vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, après avoir, selon moi, après avoir accompli les desseins de la femme, oui, ils vont se retourner contre elle. Voilà. Pour que la volonté de Dieu, en fait, ça c'est le plan aussi de comme Dieu. Comme le jugement, puisque en haut on dit, je te montrerai le jugement de la femme. Voilà. Voilà, donc, c'est un jugement en fait qui est là. Par Dieu, il a déjà agi comme ça même dans l'Ancien Testament plusieurs fois. Où le peuple de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu, là, quand ils viennent combattre le peuple de Dieu, Dieu même les confond eux-mêmes où ils se combattent. Et vous pouvez voir cela même dans Zacharie chapitre 14. Vous allez voir cette confusion que Dieu va créer au milieu d'eux. Donc, continue. Les 10 cornes que tu as vues. Et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Oui. Mangeront ses chairs. Oui. Et la consumeront par le feu. Oui. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Et d'exécuter un même dessein. Et d'exécuter un même dessein. Oui. Et de donner leur royauté à la bête. Oui. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Oui. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la faut et la femme que tu as vue, oui, c'est la grande ville
qui a la royauté sur le roi de la terre. Voilà. Donc, la femme là aussi quoi? Elle a la royauté sur le roi de la terre. La femme est aussi quoi? La grande ville. Voilà. Est une grande ville. Voilà comment on l'appelle la grande ville. La grande Babylone. La grande prostituée. La grande. Voilà, Babylone, la grande ville, encore la grande prostituée. Donc, on dit que la femme est une ville. Donc, ce sont des indices que celui qui a de l'intelligence va comprendre. Voilà, ce sont des indices qu'on donne pour qu'on puisse identifier clairement qui est cette femme-là. Amen. Donc, on dit que la femme là est dans une. La femme est une ville. Où il y a quoi? Qui a la royauté. Une ville qui a la royauté. Donc une c'est ville royaume. Voilà pourquoi elle est symbolisée. Sinon, normalement, elle ne devait pas être une bête. Est-ce que vous comprenez ce qui est? Dans Apocalypse chapitre 13, verset 1, on identifie automatiquement quoi? Une autre bête qui sort de la terre. Vous voyez, non? C'est une femme, mais en même temps une bête. Parce que je vous ai dit que la bête est symbolisée par quoi? Le royaume. Et le roi. Et le roi. Vous comprenez, non? Voilà. Et c'est pour cela qu'on dit que la femme là, c'est-à-dire que le système religieux dont on parle, c'est une ville. Et on dit quoi? Elle a la royauté sur le roi de la terre. Une ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre, dans ce monde-là. Hein? C'est quelle ville qui a la royauté sur tous les royaumes de la terre? Faites des recherches. Tout ça, on dit celui qui a l'intelligence, ce n'est qu'à l'école. Là, donc, sinon, on peut taper sur Internet, tout ce que vous allez voir. Donc vous allez savoir d'abord la ville où il a dit la ville où il y a les sept collines ou les sept montagnes. Amen. Et aussi, on dit que la ville en fait est fondée d'abord sur elle est assise conçue. Il y a sept montagnes là-bas. Puis on dit que la ville est la femme en fait est une ville. Et en même temps la femme aussi est un royaume. Qui domine les rois. Regardez depuis tous les temps, depuis que le monde, depuis que, en tout cas, la femme est là. Regardez ce qu'elle est en train de faire au monde entier. Regardez. C'est ça. La Bible que vous voyez ici là, ça a plusieurs aspects. La Bible a un aspect historique. La Bible a un aspect, en tout cas, l'actualité, les informations que vous voyez dans le monde là, la Bible a déjà tout parlé de ça. Tapez maintenant, tapez, on va étudier ensemble rapidement. La vue de cette montagne. On est en étude ce matin. Ici, on appelle en fait. Ils ont mis deux points. J'ai tapé la ville aux sept collines. La ville aux sept collines, ils ont mis ici la carte d'abord pour montrer quelle ville. Mais ça sort directement rom, partout. Vous comprenez, non? Ça sort d'abord. Vous voyez partout ici. La ville aux sept collines, Rome, on monte les quatre ici, tout et tout. On monte les quatre ici, tout et tout. Maintenant, ça, peut-être, ça peut ne pas être clair encore dans l'esprit des gens. Vous voyez? Mais, on dit la femme là, elle n'est pas seulement assise sur cette montagne. Mais la femme là, en fait, est un royaume. Rome est une ville, non? Est-ce que Rome est un royaume? Montrez-moi le royaume qui est à Rome. Le Vatican. C'est le Vatican. C'était simple pour vous. Le Vatican. Et son entourage. C'est le corps qui est assis et qui domine le monde.
On va tous. On va aller plus vite. Donc, qu'on appelle ça même. C'est-à-dire une ville. C'est comme une ville qui est là. Comme Abidjan. Mais Abidjan est de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez, non? Mm-hmm. Abidjan est de la Côte d'Ivoire. Donc Abidjan est une ville de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que Abidjan était un royaume? Non. Vous comprenez, non? Mais en fait, on dit, qu'on appelle ça la femme là. Elle était un royaume. Selon que, il faut lire encore la partie, tu vas voir rapidement. Et la femme que tu as vue. Il dit la femme que tu as vue. C'est la grande ville. C'est la grande ville. Qui a la royauté sur les rois de la terre. C'est une ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Maintenant, c'est vous avez dit, montrez-moi c'est quelle ville qui a la royauté sur les rois de la terre dans le monde. Selon votre étude que vous avez faite depuis que vous êtes dans Forest Park, c'est quelle ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Tous les royaumes de la terre. Regardez. Maintenant, c'est où les rois, les royaumes, toutes les décisions du monde là se prennent. Se prennent dans le monde. Au Vatican. Je prends un exemple. Il y a une guerre ici. Si seulement que. Je prends un exemple. Si seulement ils ont dit que. Stop. Ils ont un émissaire qui arrive ici. Qu'ils disent que la guerre, ça stoppe. Tout de suite. Et puis eux là, s'il y a un émissaire seulement dans son cortège, parce qu'ils sont tirés partout, même s'ils rentrent même dans au Diyad, où on dit qu'il y a Diyad là, l'islam là, mais ils rentrent là-bas, on ne les touche pas. Et on vous informe ça en même temps. Comme on l'entendait déjà entre un, qu'on appelle ça même, musulman et puis catholique, vous pouvez voir comme étant une guerre, non? Mm-hmm. Mais si un émissaire de là-bas passe seulement dans un endroit où ils sont tirés les balles comme partout là, ils vont arrêter tout de suite. Parce que c'est eux qui dominent la terre. C'est pour ça que tout l'or du monde là, c'est Jésus au Vatican. Voilà, tout l'or qu'ils ont recueilli depuis des temps et des temps, là-bas qu'ils avaient tout. C'est l'endroit le plus riche en or. Mais parce qu'ils font extra pour les choses de l'or, mais comment ils ont fait pour avoir là-bas? C'est-à-dire qu'eux, ils achètent tout l'or. Regardez. Je vous dis en même temps, Père, il faut que je vous dise. Les guerres que vous voyez qui se passent là. Est-ce qu'eux peuvent envoyer en tant qu'elle est sultane, ils peuvent envoyer les gens pour aller voler or? Il faut qu'ils utilisent les gens. Ils ont tout eu ce mystère de monter sur la bête pour aller accomplir leur dessein. Ce qu'eux veulent faire au monde entier, ils vont le faire. Voilà pourquoi ils vont utiliser les peuples, ils vont utiliser les nations pour se mettre en guerre, conflit, où il y a territoire de pétrole, ils prennent, où il y a territoire de or, ils prennent. C'est pour ça qu'ils sont les plus riches. Et ils sont partout dans le monde. Partout, même en Israël, à Jérusalem, ils disent qu'ils ont pris un territoire dans Jérusalem, ils disent que c'est pour eux. Partout, ils ont regardé comment ils ont pris les nations dans tous les endroits. Oh Dieu, si tu veux partir, comment on appelle ça, mais faire, tu veux partir même construire un temple, comme je le dis, ou bien un lieu de prière, tout et tout. Avant que tu arrives, dès que tu arrives là-bas, tu vas voir qu'ils sont déjà là-bas, ils ont déjà leur point en même temps. Parce que c'est comme ça. Ils avaient commencé par plusieurs manières. Ils avaient fait même avant des croisades. C'est-à-dire que où on impose la religion catholique à tous ceux qui sont. La manière qu'on entend charia là, c'est comme ça les catholiques qu'ils ont fait. C'est eux-mêmes qui ont commencé ça d'abord. Voilà. Ce qu'on appelle la charia, où il y avait la guerre par rapport à la religion. On arrive dans une religion, on vous impose, comme ça s'est fait au Boko Haram et puis au Moyen-Orient. On arrive quelque part et puis on impose la religion. C'est les catholiques qui ont commencé à faire ça d'abord. Le Vatican, au point de tuer l'homme pour ça. Il y avait des croisades, des templiers, des personnes qu'on emmenait. Ils avaient leur truc qu'ils écrivaient, on mettait ces croix comme ça. On impose. Il y a plusieurs documentaires qu'on pouvait regarder après. Donc, ils sont là et ils imposent réellement cela. Ils vont vous christianiser. Ça commence à partir de l'empereur Constantin. Bien. Voilà. On peut constater, il voulait, c'est-à-dire que lui, il s'est maquillé pour dire que non, lui, il est chrétien. Mais en réalité, il a envoyé tout le paganisme dans, qu'on appelle ça maintenant, le christianisme, il a envoyé le paganisme dedans. Et tous ceux qui refusaient réellement, lui, sa religion que lui voulait former là, il est taxé d'anathème, de maudit et d'hérétique. Donc, les tuer automatiquement. On parlait d'un village,
tous ceux qui sont là, s'ils ne veulent pas se convertir à la nouvelle religion, on les tue. C'est dans les années 600 maintenant que maintenant pour l'islam on est arrivé avec les charia aussi. Parce que Mohamed, c'était aussi un guerrier qui versait aussi le sang. Au nom de la religion. Alors que Jésus n'est pas venu. Jésus même dit que si on te gifle, il faut te donner un coup. Parce que toi, ton ennemi, ce n'est pas l'homme que tu vois. Ton ennemi, c'est le diable. Vous comprenez? Donc ces choses-là ça va revenir encore. Vous comprenez? Donc ceux qui maîtrisent réellement tous les rois, où les décisions se prennent. En fait, le monde est séduit, donc le monde ne peut pas comprendre. Tu vas dire, c'est des choses, ils ne vont pas comprendre. À moins qu'ils commencent à faire quand même quelques richesses, ils vont avoir un peu de bon sens pour voir. Sinon, ils ne peuvent pas comprendre ce que tu veux lui dire. Comment tu vas lui dire que les gens qui portent les eaux blanches comme ça, qui oui alors on dit que spiritus, on parle en latin, tout là. On te dit que c'est là-bas même que. Il y a le mal là-bas. Depuis des temps et des temps et des temps et des temps. Maintenant, pour comprendre cela simplement, tu peux partir seulement 200 ans en arrière. 500 ans en arrière. Si tu vois ce que les empereurs qui étaient à Rome et puis les papes ont fait, toi-même tu seras découragé. 400 ans en arrière, 500 ans en arrière, tu vas voir comme tu seras découragé. C'est quand vous regardez les films qu'on appelle Borgia. Il y avait, en fait, là, même les prêtres, là, avant, au départ, même là, ils avaient, normalement, puisque dans la Bible, on n'a pas interdit à celui qui est évêque de se marier. Au contraire, on lui dit de se marier. Mais eux, ils ont envoyé des principes, des doctrines, où eux, ils ont décidé que l'évêque ne va pas se. L'évêque, il ne doit pas se marier. Ah ouais, mais en fait, il y avait trop de désordres. Tout dit des autres. Il y avait d'autres qui couchaient, mais avec les professeurs. Si vous lisez l'histoire des évêques, du Vatican, vous serez étonné de tout. Vous voyez, il y avait beaucoup de. C'est pour ça, aujourd'hui, montrez-moi le pays qui est, ou bien la ville, ou bien le pays qui est le plus qu'on appelle ça, taxé de pédophilie. C'est le Vatican. C'est le Vatican. Pourtant, on dit que c'est le coin le plus saint. Mais c'est là-bas qu'il y a la pédophilie où on couchait les enfants. Comment on peut avoir le tout sain et puis on couche avec les enfants? La chose la plus abominable que. Regardez, quand on dit qu'un enfant a couché avec. Et un monsieur a couché avec un enfant, regardez comment ça énerve le monde. C'est une abominable. Mais on dit que là-bas, c'est là-bas que ça se passe. C'est pour ça qu'on dit que la grande prostituée, la mère de toutes les abominations de là. Comprenez? C'est là-bas. Donc, c'est la seule ville où il y a en même temps un roi. Et le roi de la ville, là, c'est celui qu'on appelle sa sainteté, le père, le pape, là, celui qui est le roi, en fait, de la ville. Maintenant, comme il ne peut pas, regardez, quand il va, dès qu'il va arriver quelque part, c'est pour aller, comment on appelle ça, mais il est reçu en tant que réellement, c'est pas comme on reçoit. Voilà, c'est un homme de Dieu. Ouais. C'est pas quelqu'un. Voilà. Vous voyez, maintenant. Comme ils ont l'apparence comme ça, ils ne peuvent pas prendre des décisions militaires, géopolitiques, tout autant. Mais c'est eux qui donnent les conseils dans le secret. Maintenant, les autres la font. Puisque c'est eux qui vont sur la bête. Pour que la bête puisse accomplir leur dessein. Tout ce que vous voyez dans le monde là, il y a depuis longtemps, ça a été toujours comme ça. C'est eux qui sont là pour accomplir leur dessein. Et c'est Apocalypse qui nous montre cela. Et cette femme-là, qui en réalité cette femme-là? Et il a dit que la femme là, si vous lisez les versets 5, on a dit que réellement elle avait porté quel habit? De pourpre. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Voilà. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. C'est quoi? Paré d'or et de pierres précieuses. Vous avez vu maintenant l'or et les pierres précieuses. Vous dites que c'est où? Elle était parée d'or parce que c'est là-bas même ça se trouve. Pour les cala. Voyez, elle était vêtue de poupe et de calade. C'est quoi? C'est quoi? Bon, les calades, c'est le. Poupe et puis les calades. Regardez ce qu'ils sont.
tapé pour le pied calat. Tu as vu ce pied tapé pour. C'est pour et calat il est tapé. J'ai mis l'image de ce qui sort. Parce que c'est leur vêtement qu'ils portent. Elle était parée de cela. Poupe et calat. Et il y avait l'or partout, paré d'or. Maintenant, allons-y à notre passage là. C'était pour vous montrer en fait, de quelle ville en fait, dont on parle. C'est parce que vous n'avez pas réellement fait des recherches, mais lu sur. On voit un peu comment ça s'est passé avant avec les empereurs Charlemagne, même autant d'Hitler. Hitler, c'était un fieul là, des catholiques, c'était un fieul. Et il se réclamait étant un catholique fervent. Mais regarde ce qu'il a imposé aux choses. Tous les Mussolinis, c'était des gens qui étaient tout. Mais ils avaient réellement un dessin. Il y avait les gens qui étaient derrière qui avaient un dessin vraiment accompli. Vous, le monde a vu seulement que la catastrophe, tout. Mais vous, ce qui est derrière la légende, vous ne pouvez pas voir. Oui. On continue. Verset, chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Afin que vous ne participiez point à ses péchés. Afin que vous ne participiez point à ses péchés. Et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Et que vous n'ayez point part à ses fléaux. C'est-à-dire qu'elle est menacée de fléau, oui. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Oui. Payez-la comme elle a payé. Oui. Et rendez-lui au double de ses œuvres. Oui. Dans la coupe où elle avait versé, où elle a versé, verse-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant... Donnez-lui de tourments et de deuil. Oui. Parce qu'elle dit à son cœur, je suis assise en reine. Je suis assise en reine. Oui. Je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Oui. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. Ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine. Oui. Et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Amen. Donc voilà que on est en train de montrer le jugement en fait de la femme qui est assise. On a dit que la femme c'est la grande prostituée, la mère des impudiques. Amen. Mm-hmm. Ça veut dire qu'elle a des. Elle a des... C'est une mère. Elle a des filles. Elle a des filles. Enfants. Amen. Donc aussi, c'est important aussi de regarder. Qui ressemble aussi à cette femme-là. C'est un, si tu vois que tu es dans un endroit religieux où on ressemble à cette femme, il faut quitter là-bas. Parce que le lieu aussi est menacé. On ne sait jamais à quelle période on est. Donc il faut quitter là-bas. Amen, non? Amen. Voilà. Donc, on voit que réellement, c'est-à-dire, c'est une ville où il y a un roi. Amen. Et on dit qu'elle avait porté, il y avait une couronne où il y avait des noms de blasphème. Vous comprenez, non? Il y avait des noms de blasphème. Et ces noms de blasphème, vous pouvez voir sur ces rois-là. Chaque fois qu'ils viennent, vous voyez qu'ils ont des noms de blasphème. Vous voyez comme, par exemple, si les trucs que les gens apportent sur leur truc, des trucs de blasphème. Le saint fait même qu'on les appelle. Des qu'on appelle ça même le vicaire de Dieu, le vicaire du fils de Dieu. Ici les trucs là, ils ont mis sa marque là, ici. Vicaire du fils de Dieu. Et vicaire, ça vient de vicarios. Vicarios, ça veut dire remplaçant. Ouais, remplaçant Philis, fils de Dieu. Amen.
remplaçant du Fils de Dieu, ça est là. C'est ça, si tous les trucs qu'il porte là. Ça, non, ça non. Se portait au temps de Dagon. Vous connaissez les, au temps des Philistins. Les dieux Dagon, les prêtres de Dagon, c'est ceux qui portaient les trucs là. Parce que ici, là, Dagon, c'est le dieu poisson. Vous voyez que ça ressemble à. C'est un truc comme ça, ça fait comme ça. Oh, est-ce que vous voyez les poissons dans l'air? Comme ça fait là. C'est eux qui portaient ça. Le dieu poisson. Et quand il porte ça, mais ici, il met Vicarius Filis Dei. Et puis la ville où il est là, la ville où ils sont, c'est là. C'est Vatican. Vatican, ça veut dire Vatican. La cité du serpent. Vous comprenez? Vatican. La cité du serpent. C'est en latin. Pour voir même si c'est la cité du serpent, vous allez voir où il est assis là. Le coin là. Ils ont fait ça en tête de serpent. C'est pas caché. Vous voyez même souvent, en fait, il y a des images mais où ils montrent, où ils sont assis. Et puis derrière là, vous voyez les images vraiment obscènes. Souvent, vous pouvez voir réellement. Il y a encore même des restes des ossements. D'après eux, c'est des ossements des saints qui sont encore là-bas, mais c'est des choses abominables. Vous comprenez? Des choses abominables. Voilà. On les appelle le pontife. Le pontife, l'expression qu'ils avaient, pontife, c'est comme le pont entre Dieu et les hommes. Le pontife, c'est-à-dire qu'ils ont déclaré que le pape, là, c'est lui qui est le pontife. Souverain pontife. Alors qu'en réalité, sous le souverain, si on veut parler de quelqu'un qui est le souverain pontife, c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu, le Père, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Puis on dit que Jésus-Christ est vivant, et il continue toujours en tant que sacrificateur souverain. Mais comment encore il peut avoir quelqu'un qui est le souverain sacrificateur? C'est une abomination. Souverain pontife. Vous comprenez? Et ils attendent, c'est qu'on voyait la canonisation, la béatification. La plupart des gens qu'ils ont canonisés, il y a beaucoup qui étaient des méchants. Et on les a mis maintenant dans le nom des calendriers. Quand les gens font un enfant, ils sont regardés calendrier, ils cherchent, ils vont donner ça à leur enfant. Souvent, ils ne savent même pas c'est de qui les questions. Juste parce qu'ils ont mis saint ceci, saint ceci. Il y a beaucoup qu'on appelait saint là-bas qui sont pédophiles, non? Le problème, c'est quoi? Pour voir qu'ils ont la domination sur les royaumes de la terre, quand on attrape un prêtre qui a pédophilie, on peut le mettre en prison? Jamais. C'est impossible. C'est pour cela que vous voyez, quand les catholiques voient que les groupes religieux, par exemple les évangéliques et autres, les pasteurs qui font les dérives, et puis genre, on dit que le pasteur, on dévoile ses œuvres comme ça là. Les catholiques, en fait, chez eux, c'est quelque chose de. On ne doit pas faire. Parce que c'est un prêtre là. Ça, c'est entre lui et puis Dieu. C'est pas un homme. Voilà. Il y a des choses. Il se dit quoi? Il se dit que voilà, il y a des choses. C'est un homme qui peut arriver. Mais lui là, seulement, c'est Dieu seul qui peut réellement le juger. Donc, réellement, il ne peut pas accepter que réellement, s'il y a quelqu'un qui s'est comporté même en désordre, tout et tout, voilà, puis on parle d'un homme. Donc c'est comme ça, quel que soit ce que réellement un prêtre va faire. Et dernièrement là, j'avais lu, on dit que c'était au Gabon, un prêtre là qui sort avec la femme de quelqu'un. Jusqu'en, elle avait des choses, des crises, des choses là. Palpitations. Crise cardiaque, elle avait ça. Donc en faisant le péché d'adultère là, elle est morte dedans. Son mari lui la connaît. Quand ils sont dans les trucs dans la chambre là-bas, quand ça arrive, il sait que c'est sa maladie, donc il arrête. Lui, il ne savait pas. Il couche chaque fois, juste quand dans ça là, il est dans le lit des choses à adultère là. C'est comme ça qu'elle est morte dedans. Tout le monde a su. Le mari savait. Le mari, il était dedans. Souvent il fait les histoires à sa femme, tout et tout. Elle dit elle va arrêter. Une fois elle a attrapé son téléphone où c'était dedans. Jusqu'en il a su, tout le monde a su que réellement c'est lui. Mais tout ce qu'ils vont faire, ils vont les communier, ils vont l'emmener dans un autre coin pour continuer. C'est tout. On ne peut pas le mettre en prison. Tous ceux qui ont été taxés de pédophilie là, à Rome là-bas, là, à Vatican, tous les prêtres qu'on a, il n'y a pas un qui est en prison. Il n'y a pas un qu'on peut mettre en prison. C'est pas possible.
Il y a des documentaires où on a vu des sœurs qui ont fait des témoignages où elles ont beaucoup en couché, des gens couchés avec elles. Tu vois, il y avait des enfants, elles étaient, quoi on appelle ça, enceintes, on les obligeait réellement à avorter. Il y a des documentaires qui sont là, plusieurs documentaires. Tu vois, et quand souvent on attrape réellement ces personnes-là, c'est qu'on appelle ça, ces sœurs-là, on les envoie dans un autre coin, ou bien soit en disant qu'elles étaient. D'abord, mais qu'elles rentrent, elles font un vœu de ne pas dire tout ce qui réellement va se passer, à moins que réellement elles quittent. C'est comme une secte dangereuse où il y a des choses qui se passent là-bas. Vous comprenez? Mais regardez aujourd'hui dans le monde, c'est la religion, si on peut dire, qui a plus d'impact dans le monde. Qui a plus d'impact dans le monde. Parce que les gens qui sont puissants et tous, ce sont là-bas aussi. Dans le monde. C'est eux qui célèbrent les mariages les plus grandios, les plus trucs là. C'est eux qui célèbrent ça. Vous voyez? Pourtant, c'est la cité du serpent. Comment? Je suis donné, oui, c'est la cause des violences des femmes. Tout d'un six femmes dans le cadre. À cause de cette violence-là, les femmes elles ont créé leur mouvement, le féminisme. Elles ont dit que les prêtres, les tortures, ils couchent avec un peu de vieux. Elles ont créé leur mouvement pour l'émancipation. J'ai vu dans le documentaire dont je parlais, il y a ce mouvement donc le frère là parle, j'ai vu ce mouvement là qui était dedans. Où il y a d'autres qui ont décidé de ne plus rester dans le silence. Où ils veulent réellement dire ce qui est en train de se passer parce qu'ils ne veulent plus, qu'ils veulent réellement dire. Mais en tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dans le dernier documentaire que j'avais regardé, où il y avait la soeur là, quand elle est venue dire, elle est venue faire son test, elle a vu que réellement elle était enceinte. Elle ne voulait pas avorter. Quand le gynécologue là-bas, il a fait sortir comme ça, la liste, elle a vu tous ses collègues là. Elles sont passées à la casserole. Donc, il a dit que ça veut dire qu'il faut fermer ta bouche. Quand tous tes collègues là, même là, elles ont déjà été enceintes. Mais personne ne sait ça ici. C'est le documentaire là, plusieurs fois, même pour regarder ça sur les chaînes de Jésus-Christ, c'est vrai. J'ai regardé ça une fois encore. C'est bien sûr les R. Les France 24 et autres, ça sort. Donc, vous voyez, il y a des abominations qui sont là. Mais les gens, ils vont continuer à parler d'affaires des spiritus. Nos parents, même, quand les gens disent spiritus, ils comprennent quoi. Et c'est tout ce qu'ils vont dire. Amen. C'est tout ce qu'ils vont faire après là. Ils vont continuer leur truc. Là-bas, là, tu es dans le fait chaud, c'est pas pour elle quelqu'un. C'est dans tout quoi, ils vont venir, ils vont parler, mais ça va pas aller quelque part. Il faut qu'ils cherchent la foule, les gens. On dit, elle est assise sur des grandes eaux. La foule. Vous comprenez? Donc voilà un peu le jugement de cette femme. Voilà les choses qui sont dans ce monde et le Seigneur nous appelle à marcher saintement. Le Seigneur nous appelle à garder ses commandements. Il nous appelle réellement à espérer à son retour. Lorsqu'il réellement il va venir, il va nous prendre et il va nous délivrer de toutes ces fautes qui sont dans ce monde-là. Amen. Amen. Donc voilà un peu. Et ce que je peux dire aujourd'hui par rapport aux événements de la fin des temps. Voilà. Parce que c'est très important aussi de parler de ces choses-là. C'est très important parce que depuis que on est là, on a beaucoup parlé sur les choses vraiment aussi essentielles. Mais on n'a pas parlé réellement des événements de la fin des temps. Amen. Donc, je pense que peut-être c'est les choses sont claires dans votre esprit. Ce qu'on a bien défini, le pape ne peut même pas être l'antichrist. Le pape, là, lui, est du côté de la femme là-bas. Et pas du côté de la puissance de l'autre côté du monde. Ça, c'est un autre homme puissant qui va venir. Mais qui vont travailler toujours comme ils ont dû travailler avant. Voilà. Frère, tu as nous expliquer une œuvre, dit quoi? Mais on dit qu'il va venir et ils vont lui donner. Quand l'impie là va venir, la bête là va venir, ils vont lui donner réellement, ils vont lui donner leur autorité, ils vont se mettre ensemble pendant une heure. Quand nous savons réellement le temps que, comment on appelle ça, la bête va avoir 42 mois. 42 mois. Vous comprenez, non? Voilà. Les 42 mois, on a vu qu'en réalité, dans Daniel, on avait parlé d'une semaine. Amen. Une semaine, comme le frère disait tout à l'heure, c'est 7 jours. Maintenant, dans les temps prophétiques, là, les 7 jours, là, un jour, ça symbolise un an. Ça fait 7 ans. Comprenez? La moitié de la semaine,
Amen. La moitié de la semaine, là, tout le temps réellement pour faire réellement son ministère. Vous comprenez, non? Mais la moitié pendant le commencement, la moitié de la semaine, là, ça commence. Et, qu'on appelle ça? La semaine, là, c'est 7 jours, mm-hmm. comme j'ai dit. Une semaine. C'est ce que Daniel a dit, non? Mm-hmm. Une semaine. Mm-hmm. Maintenant, dans Apocalypse, là-bas, au lieu d'une semaine, Daniel n'était pas obligé de dire une semaine. C'est un langage mm-hmm. prophétique. Ici aussi, il vient dire une heure. Mais si vous liez ça à la période de Daniel, ça correspond toujours à une semaine. Et si ça correspond à une semaine, ça se correspond, c'est-à-dire qu'au temps de qu'on appelle ça maintenant, du règne, du règne, en fait, de la manifestation. Maintenant, il lui a été donné en fait de ne pas c'est-à-dire que continuer son règne pendant, c'est-à-dire que tous les 7 ans, on lui a donné seulement la moitié. Voilà. Maintenant, après ça, il y aura le fléau maintenant de Dieu. Et pour que le fléau de Dieu arrive, il faut que l'église soit enlevée. Parce que là, c'est la colère de Dieu maintenant. Ce n'est pas la colère de Satan. Dieu ne va pas punir réellement l'humain ceci. Il faut bien comprendre maintenant ça. C'est là que l'apôtre Paul dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. À l'acquisition du salut. Parce que là maintenant, il faut que le maître vienne par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Mettre fin réellement. Ça veut dire que. Oh, vous commencez à comprendre maintenant, non? Si on veut parler dans les choses périodiques, on peut comprendre maintenant facilement. C'est-à-dire pendant les 1 heure, dès qu'il va venir, 1 heure qui correspond à une semaine, dès qu'il va venir, commence en même temps. Parce que Apocalypse, chapitre 12 et puis chapitre 13 ont montré que réellement il est pressé. Dès que ça va commencer, il ne va pas se calmer. Dès que ça commence en même temps, il va commencer en même temps, lui, c'est le truc qui va commencer. Par la séduction et en même temps par la persécution. C'est-à-dire par la séduction pour ceux qui n'ont pas reçu la vérité et par la persécution pour ceux qui ont reçu la vérité. Or, n'oublions pas que dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul a déjà dit que nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire qu'il y a d'autres réellement qui seront restés vivants malgré qu'ils sont en train de persécuter. Par contre, il y a d'autres qui vont mourir. Et d'autres vont. Donc, ne confondez pas la prophétie de Apocalypse chapitre 6, verset 9. Et comment on appelle ça même? Par exemple, Apocalypse chapitre 6, verset 9, on dit qu'il faut attendre que le dernier d'entre vos compagnons soit mis à mort. Vous comprenez, non? Ne confondez pas ça avec un. C'est-à-dire qu'en disant que réellement tous ceux qui vont rester, c'est-à-dire que pendant le temps de la tribulation vont mourir, puisque vous avez déjà la prophétie de l'apôtre Paul qui a déjà dit que nous ne mourrons pas tous. Parce que si le Seigneur vient, il faut qu'il puisse trouver les vivants. Parce que ce n'est pas les vivants seulement, et ce n'est pas les morts seulement qui vont ressusciter. C'est aussi les vivants. On dit les morts d'abord vont ressusciter et les vivants avec eux. Nous allons monter ensemble dans les airs. Vous comprenez maintenant, non? Donc, les une semaine ou encore les 1 heure, c'est la période qu'il va commencer réellement à faire la séduction, la persécution, la tribulation, tout. Vous comprenez? Ça, c'est pendant réellement cette période-là. Maintenant, l'avènement, en fait, du Seigneur, ça, c'est ce qu'on va. Ça va commencer. En fait, c'est ce qui sera en fait le jour de Dieu, le jour de la colère. Et ça, il va épargner réellement ces siens qui seront restés vivants. Qui auront bien sûr persévéré pendant cette période de difficulté, de grande détresse. Voilà. Et le Seigneur maintenant viendra avec réellement ses anges, comme on a vu dans Apocalypse chapitre, Matthieu chapitre 24, où ils vont les prendre des 4 coins de la terre, ils vont monter au son de la trompette que 1 Corinthiens chapitre 15 a donné. Voilà, c'est là maintenant, là-bas maintenant, il y a la colère de Dieu. La colère de Dieu là, ça ce n'est pas la même chose. Puis on parle de la colère de l'agneau où les gens qui sont dans le monde sont en train de fuir, même ils sont de partir même sous les montagnes pour aller réellement se cacher. Vous comprenez? Donc les gens ont mal compris en fait les périodes et ils se sont tacler un peu là-dessus parce qu'ils ont mal compris simplement la cause. Parce que dès qu'ils attendaient tribulation, ils se sont dit que l'église est tout, or que c'est là-bas qu'ils ont fait force. Vous voyez? Donc voilà un peu comment les choses se passeront. Vous voyez? Et le Seigneur également va venir également avant qu'il va manifester lui sa colère, il va épargner réellement, il va, comment on appelle ça même, prendre réellement ses siens d'abord, puis maintenant faire la colère de Dieu sur la terre. Un autre jour, maintenant, on parlera de ces choses. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer aussi à aller étudier également tout ce qu'on a vu.